Chers amis internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, la partie de Kill Power Ball. Ça va taper. Je vais remonter la boîte d'ailleurs. Allez, où la boîte? Donnez-moi une boîte. Pardon, une boîte. Mon Dieu, une Trick Track TV sans boîte. Voilà, Kill Power Ball avec Sylvain, l'auteur. Vous avez un peu expliqué les tenants et les aboutissements du jeu. Et là, on va entamer un début de partie. Un début de partie, oui. Pour voir à peu près ce que ça donne quand on joue et les quelques petites complexités de règles qu'il peut y avoir. Donc, nous avons pris des personnages, des équipes pré-tirées. Les équipes pré-tirées de la boîte. Alors là, c'est en vélé machin parce que c'est des trucs que tu as pour les démonstrations. Voilà, exactement, oui. J'en ai fait pas mal avec. Pour les gens qui, comme moi, bavent régulièrement, là, c'est plastifié, tu ne l'abîmes pas. Comme ça, tu peux baver, j'ai le petit chiffon avec. Ouais, je note qu'il y a des trucs devant moi, mais tu m'as dit ça, c'est... Alors ça, c'est la communauté, c'est PJ87 sur le forum du jeu qui s'amusait à faire des petits pions pour aider les nouveaux... Les newbies. Les newbies à jouer au jeu, quoi. Voilà. Bon, alors tu vas m'expliquer un petit peu, hein, quand même, pour pas que je... Alors, je vais expliquer ton équipe. Je vais pas expliquer la mienne, tu vas la découvrir en jouant, mais je vais t'expliquer la tienne. Donc, t'écoute. Ton joueur numéro 1, donc on reconnaît le numéro 1... avec les figurines, vu qu'on a utilisé les figurines. Ah oui. Tout à l'heure, on a ouvert la boîte et ce n'était pas des figurines, c'était des bouts de carton sur des socles transparents. Voilà. Qu'est-ce donc que ça ? Alors ça, c'est une gamme de figurines qui est réalisée par Studio 38 à Grenoble. D'ailleurs, tu as un exemplaire là-bas. Ça, là ? Hop, voilà. Ça, c'est un pack complet de figurines avec tout le matériel. C'est fait pour le jeu, oui. Ah oui, c'est marqué là. Kill Power Ball. Il s'occupe de la gamme de Kill Power Ball. D'accord. Et donc là, on a 14 personnages, on a tout l'équipement, on a deux ballons. Ah ouais, d'accord. Et donc on peut acheter ça après. On peut l'acheter à côté. Et là, j'imagine se le peindre. Alors bien sûr, c'est en résine, c'est non peint, et c'est les joueurs qui décident eux-mêmes s'ils veulent ou non les peindre, quoi. Enfin, couleurs, etc. Ouais, ça, c'est le genre de jeu, quand on l'aime, forcément, on achète les figurines. Bon, ça dépend des joueurs, mais oui, il y en a certains. Et après, quand on est bon, ben, on le peint et ça donne ça. Et surtout, une chose super importante dans le jeu, c'est qu'en fait, les armes sont modulables. C'est-à-dire qu'on peut enlever l'équipement et en remettre un à tout moment durant la partie. C'est-à-dire que quand on va jouer le ballon, ça va être, par exemple, numéro 6. Il a le ballon à la main. Dès qu'il va le jeter, le ballon, il peut tomber n'importe où sur le terrain. On l'aura à côté, quoi. Donc, c'est vraiment un équipement modulable pour pouvoir jouer. C'était une demande. Ça valait 30 euros au démarrage en offre découverte et je pense que ça va passer entre 40 et 45 euros. Juste le set de figurines. Le sac, ouais. Il y en a 14, plus l'équipement complet, quoi. Ok. Bon, pour les vrais amateurs qui aiment le jeu, quand on aime, on ne compte pas. Donc, je vais mettre ça là parce que tu as donc sorti des figurines que tu as peint toi-même, non ? Non, c'est le Studio 38 qui s'en est occupé, quoi. Voilà. Ok. Fait. Donc, ça, c'est mon équipe et il y a un petit numéro sur chacun. Donc là, j'ai le 6, donc, par exemple. Voilà, le 6 qui est là. Le 6 qui correspond à ce numéro-là. Il n'a pas de nom ? Non, je n'ai pas mis de nom. Ça, c'est vraiment l'équipe de démonstration, quoi. D'accord. Hein. C'est vraiment pour apprendre à jouer. Donc là, tu vas vraiment voir la mécanique du jeu. Okay. Donc déjà, premièrement, ton numéro 1, il a un arc magique. On va le reconnaître ici. Voilà, il a un arc magique. Mm-hmm. Et le pouvoir, donc ils ont un seul pouvoir, alors que normalement, on en a deux. Mais dans ce cas-là, ils ont juste des dégâts accrus. Donc ça va servir à taper fort. Un D5 plus 6. Alors on reprend notre D10. Hop, pardon. On reprend notre D10. On divise par 2. Voilà. Donc là j'ai fait 2, c'est 1. Voilà. 1 plus 6, ça fait 7 points de dégâts. 7 points de dégâts dans ta face. Voilà. On va voir ça tout à l'heure. Toi, tu es venu, jeune Sylvain, avec l'idée de m'humilier. Non. Non. Ton numéro 2, donc on continue. Lui, je lui ai rien mis. Alors, il faut bien préciser que c'est l'entraîneur qui choisit l'équipement qu'il va mettre à ses joueurs. Là, je te l'ai préparé. D'accord, ok. Hein, on est bien d'accord. C'est moi qui aurais décidé. Sinon, c'est toi qui décidais de ce que tu voulais. Alors, ton numéro 2, il a un pouvoir, donc transporteur. Donc, il faut le regarder directement. Donc, transporteur, voilà, c'est un pouvoir d'armure. Pareil, tu as protégé tes... Ah, j'ai protégé les cartes, justement. D'accord, c'est ce truc format classique, donc dans toutes les bonnes boutiques. Voilà, exactement. Petite protection de cartes. Voilà, exactement. Okay. Donc, ce pouvoir te permet à ton numéro 2, quand tu actives ce pouvoir, donc il y a dans les indications, il y a activation, un jet de pouvoir, ça coûtera une action, d'accord, c'est indiqué là. Okay. Tu as une valeur en pouvoir, si tu réussis ce jet, d'accord, si tu réussis ce jet-là, ton personnage permet aux joueurs qui sont autour de lui d'avoir leur déplacement x2. Ah ouais, quand même, ouais. Voilà. Ok. D'accord. C'est tout. Et les ennemis aussi. Hein. Tous les ennemis aussi. Et amis à côté du porteur. Toute personne qui est autour de lui. Voilà. Toutes les personnes qui sont autour de lui vont avoir leur déplacement. Et bien, il va falloir jouer technique. Donc pour jouer, c'est celui qui a la plus petite
puissance qui va commencer à se déplacer. D'accord. Donc le tour 1, comment on va fonctionner? Tu te déplaces. Je déplace tous mes bonhommes. Tu déplaces 5 de tes joueurs maximum sur le terrain. D'accord. Je déplace 5 de mes joueurs sur le terrain. Et après, on fait les actions de tous les joueurs. D'accord. Voilà. Quand les actions sont faites, on passe au tour suivant. Ok. Voilà. Donc là, je te laisse donc déplacer 5 de tes joueurs. Alors, comment je fais pour activer… Alors, certains pouvoirs, on va les reprendre. Par exemple, je voudrais immédiatement démarrer le 2 oui. pour qu'il ait son pouvoir de transporteur et partir avec tout le monde. Alors, je t'ai dit que d'abord déplacement et après les actions. Tu t'aperçois que ton transporteur, ça demande une action. D'accord. Donc, tu l'activeras pour le après. Tour suivant. Donc, si je me déplace, alors je me déplace comment? C'est le nombre qui est indiqué là? Voilà, c'est la valeur DEP. Donc, j'ai quoi ici? J'en bouge 5, c'est ça? Tu peux en rentrer 5. Donc, j'ai le 2, 4, 6, 3. 2, 4, 6, 3. Donc, ils sont 5, 5, 4, 5. Donc, je vais les déplacer maximum à la vitesse du 4 qui est ici. Donc 4 cases chacun. Hein. Voilà, alors tu peux te déplacer en diagonale, tout droit, en zigzagant, comme tu veux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, on avance comme ça. Voilà. On est amis. Et j'en ai un là qui peut avancer. Alors tu peux rentrer ton archer. Oui, je rentre ton archer. Bon, lui, c'est le 1, lui, il a 4 cases aussi. Voilà. 1, 2, 3, 4. Donc logiquement, tu ne dis rien à ton adversaire. Hein. De ce que tu viens de dire. Par exemple, je vais prendre des notes en disant, tiens, son numéro 6 va avancer de 4, son numéro 2 avance de 4, etc. etc. Ça peut avoir une importance. Ce que je viens de dire là, oui, mais tu me vois l'avancée là. Donc, Oui, mais tu pourrais très bien avoir 5 en déplacement. Ah oui, d'accord, tu ne le vois pas. On cache le jeu. Ah, parce que je peux me redéplacer. Non, mais je vais avoir la subtilité là, je ne l'ai pas tout de suite, mais non, voilà. Donc, chose importante aussi, ton numéro 6, il a un pouvoir automatique qui fonctionne dès qu'il est sur le terrain. D'accord. Donc, celui-ci, on le met là. Face cachée, on ne le montre pas à son adversaire. D'accord. Bon, là, je connais le jeu, tu connais tu sais ce que j'ai fait. Voilà, je sais exactement ce que tu as fait. Donc, logiquement, j'avance mes bonhommes, puis je prends donc mon pouvoir qui est là et surpuissance, parce qu'il est automatique, c'est ça? Je voilà, te dis rien à toi. Tu peux le montrer à l'arbitre si la troisième personne comme est là. Ça. Et je le mets là, voilà. En me souvenant qu'il est là. Donc, toi, tu sais qu'à un moment donné, je vais jouer un pouvoir, mais tu ne sais pas quoi, ni comment, ni pourquoi. Non, mais petit à petit, en connaissant le jeu, on devine ce que c'est. Tu peux aussi faire du bluff. Je peux faire ça si j'en ai envie. Tu peux aussi activer un autre pouvoir. Ah, mais là, tu le sais. Oui, bah, forcément. D'accord, ok, ça roule. D'accord, ça roule. Bon, voilà, donc là, tu as déplacé tes joueurs. Ouais. Maintenant, c'est à moi de me déplacer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer d'abord mes archers. J'imagine qu'il faut aussi se positionner pour protéger son… Son porteur de ballon, oui. Là, tu l'as mis en plein milieu. Donc, je vais l'agresser violemment dès que je vais pouvoir le faire. Je l'ai mis au milieu. Bah oui, face à moi. Bah oui, mais bon, je suis un peu quasi tout le temps face à toi, là, quoi qu'il arrive. D'accord. Alors, forcément. Mais non, tu vas voir. Si tu l'avais mis comme ça, par exemple, c'était face à toi ou pas? Non, mais tu aurais pu le cacher derrière ton 3, ah, par exemple. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Vois, oui, techniquement, tu aurais pu le planquer. C'est vrai. Mais on va dire que j'ai fait comme ça quand même. Voilà, parce que tu sais que tu as surpuissance et voilà, tu sais quand je vais te taper dessus. Tu me tapes ça dessus. Ça va te faire du bien. Voilà, exactement. D'accord, ça marche. Bien, alors moi, je déplace mes joueurs, mais tu ne connais pas mon équipe. Non. Donc, 1, 2, 3, 4. Et tu es rentré dans la zone? Alors, j'ai le droit de la traverser. Mais je n'ai pas le droit de stationner dedans. D'accord? Ok. Et j'active un pouvoir. Immédiatement. Immédiatement. Alors, je vais te le montrer, mais tu ne sais pas ce que c'est. D'accord. Entrée libre, c'est un pouvoir qui est un zéro action. D'accord. Donc, je l'active dès que je rentre sur le terrain. Mais ça, non, je ne sais pas ce que tu as mis là. Non. D'accord. Ok. Sauf que quand tu vas connaître le jeu, tu sauras que c'est entrée libre que je viens d'activer. Pourquoi? Parce que immédiatement, je prends mes joueurs en zone de touche et je les mets où je veux sur le terrain. Ok, je viens me taper sur le donc, tac. Donc, hey, ta petite remarque, ta petite remarque moyenne sur la protection de mon porteur de ballon. Tout à fait. Sachant que tu peux aller n'importe où. Tout à fait. Mon 7 va venir devant ton. Hein, ah, c'est clairement un jeu de faille dans 2, ta gueule. Et mon 2 okay. va venir. D'ailleurs, attends, t'as inversé là, t'as mis ton 4 derrière ton 3. Sachant que le 4 est un archer, ça aurait été embêtant de le mettre derrière. Oui, oui, tout à fait. Hein, oui, oui, oui. Et je mets le 2 devant le 4. D'accord, oui, c'est clairement un jeu de contact. Voilà. Tu t'aperçois que là, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. Ouais. J'ai fini de me déplacer. On va donc. Tu as droit à une phase de retournement. Avant qu'on passe aux actions, tu as droit à une phase de retournement. C'est-à-dire, tu as droit de replacer tes joueurs. Pourquoi? Parce qu'un joueur, si on prend un joueur, il a une phase d'action. C'est-à-dire un endroit où il peut taper. D'accord. Alors, un joueur qui est placé comme ceci, il peut taper, a 5 cases devant lui. Pas derrière. Ouais. Voilà, pas derrière. Si je le mets dans cette direction, par rapport à la pointe de la case, c'est 5 cases aussi. D'accord. D'accord. Donc là, pour savoir où je tape, il faut que je… Eh bien,
pour savoir si celui-ci s'amuse à te taper dessus, comme il est de dos, tu ne pourras pas l'éviter. D'accord, donc il faut que je me retourne un tout petit peu. Il faudrait que tu te mettes, oui, en diagonale par rapport à eux. Voilà, comme ça. Lui, il est dans mon dos. De toute façon, là, je vais l'avoir dans le fion, vu que j'en ai trois. Voilà. C'est qui, lui ? Non, tu peux le mettre en diagonale comme ça, c'est ton numéro 2. Tu peux le mettre en diagonale comme mais ça, mais ta lui, zone d'action. Lui, ah, c'est moi, ça, je suis bête. Lui, c'est moi. Oui, c'est toi. Je crois que, c'était, je crois que non, je, non, je m'étais moi. Mis mon main dans mon dos pour me taper. Non, non, c'est moi. Ok, et donc lui, lui reste en face, on s'en fout un peu. Parce qu'il est, il est bien là. Ok. Voilà. Ça roule, moi d'accord. Je suis passé. Donc tu as réorienté tes joueurs. Et okay. Là, on passe à la phase d'action. D'accord. Alors pour savoir comment, qui agit le premier, on regarde la rapidité de tes joueurs. Donc les plus rapides. Donc tu annonces. Alors. T'en as déjà deux qui sont pas sur le terrain. Voilà l'intérêt de, des petites, ah, ça des petits de cacher, pions. Ça te permet de savoir que ceux-là, on ne les utilise mon 5. Pas. Voilà, tu vois, regarde. Ils sont en zone de touche, on s'en occupe pas. D'accord. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'un joueur va faire une action, je vais mettre chaque ça dessus joueur pour dire, une action, voilà, tu vas mettre ça dessus pour dire qu'il a fait son action. D'accord. D'accord. Donc là, je choisis mes actions. Donc là, tu annonces ton plus rapide. C'est ton numéro 1 qui a 10. D'accord. Voilà. Donc, tu annonces 10 en rapidité. 10. Voilà. Moi, je t'annonce 9. Donc, je te tape dessus avant. Donc, voilà. Sauf que le 1... C'est un archer qu'il est au contact. Ah. Donc, il ne peut pas tirer une flèche sur non. quelqu'un mais qui est au contact. Il peut mettre un coup de boule. Il peut mettre un coup de boule, c'est autorisé. Ou okay. Il peut tirer une flèche sur le 6. Ah, c'est sur, pas bête. Sur le 1 ou sur le 3, okay. Vu qu'il les voit. D'accord. Tu peux aussi dire, je garde mon action et j'attends de voir ce que va faire ce le 7. Ce que fait le 7. D'accord, il va me taper dessus le 7, c'est évident. Mais moi, je préfère protéger le porteur du ballon. Non, le 7, il ne va pas te taper dessus parce qu'il n'a pas d'arme. Il a les deux mains de libre. Bah alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas. Mais je un coup de boule, il peut pas mettre un coup de boule. Oh, je n'aime pas. Je sais pas avec ce sourire narquois. Et... Eh bien, merci Sylvain pour cette présentation. À bientôt. Bon, je ne sais pas ce qu'il va me faire avec ces deux trucs. Lui. Est-ce qu'il peut me voler mon arc? Non. Ton arc, non, non. On ne peut pas voler l'équipement de l'autre. Par contre, si tu regardes bien, tu as un porteur de ballon oui. qui est entouré par deux hommes avec des épées. Oui, là c'est. Donc ça veut dire que je vais pas du tout jouer le ballon. Oui, mais lui, il s'en fout si on lui tape dessus. Le 6. Ah oui, mais ça, je ne suis pas censé le savoir. Je joue comme si je jouais normalement. Ah, surpuissance, tu ne l'as pas vu ici. Eh ben non, je ne l'ai pas vu. Donc, moi, je vais taper. Ok. Mais moi, je veux qu'il me tape. Donc, je peux lui faire quoi concrètement à lui? Tu peux lui mettre un coup de boule. Mais toi aussi, du coup, puisque tu me dis, j'ai pas d'arme, mais tu as le coup de boule. Donc, ça reste. Oui, mais j'ai des pouvoirs. Tu as des pouvoirs. Mais moi aussi, j'ai des pouvoirs. Ton 1, je te conseille de le faire tirer à l'arc. Ouais. Voilà, tout simplement. Soit tu tires sur le 1, soit tu tires sur le 3. Ok, si tu me le conseilles. Bah, je te le conseille. Je préfère tirer sur l'enflure qui s'est mis dans mon dos. D'accord. Donc, comment ça se gère ? Donc, alors, attends. Alors, comment on va le gérer ? Bah, c'est simple. Tu regardes ta valeur en tir. Tu as 5. Ouais. Et pour toucher mon numéro. Alors, c'est mon numéro 3. 3. Hein, on est d'accord. Il faut que tu fasses moins que moins ta que valeur. 5. Ou tu peux dire je localise la tête, parce que si tu dis je localise la tête, tu peux tuer d'un seul coup. Oh, bah, je localise la tête, alors ça. Sauf que. Non, peu importe. D'accord. Tu prends tir divisé par 2. Donc ça me fait 2. Donc ça te fait 2,5. Donc on arrondit à 3. À 3. Donc tu as 3. 3. Si tu réussis, tu touches la tête. Et si jamais je ne fais pas 3. Essaye. Non, non, mais. Non, mais quand même, je suis pas non plus. J'aime bien gagner un peu des fois. D'accord. Si tu fais pas 3, si tu fais au-dessus, tu rates. Je rate, oui, non. Mais si j'avais décidé que, bon, ben, à 5, et je fais 5 avec mon dé, mais que j'ai pas localisé la tête, ça se traduit comment en dégâts? Alors après, on va jeter un des 10 sur cette table pour savoir où tu touches. D'accord. Et. Une fois que j'ai décidé, et je sais où je te touche, imaginons que j'ai touché la tête, voilà. Tu meurs. Non. Alors, il y a un risque que je meure, oui. Le risque, alors que là, il est direct. Si je fais 3, tu es direct mort. Non, dans tous les cas, si tu touches la tête, tu as beaucoup de chances que le personnage tombe, soit blessé grave ou je soit je veux savoir les probabilités que j'ai de… Eh bien, c'est mieux de toucher la tête. Sauf là, avec 3. Avec 3, c'est mieux c'est de toucher, mieux toucher la tête. C'est mieux de toucher la tête avec 3 que toucher la tête avec 5. Oui. Ça dépend de ton arc, ça dépend de la puissance de ton arc, ça dépend de tes pouvoirs, ça dépend de plein de choses en fait. Parce que 3-5, la différence, elle n'est pas… Elle est pas. Enfin, c'est une chance sur 2 ou une chance sur 3. Ben oui, moi je préfère une chance sur 3. Ben vas-y. Dans ta tête. Tu veux souffler ou bien? Non, non. Ah, tu as peur. Tu as peur. Je m'inquiète pas là. 3. Tu touches. Donc, ouais, bien joué, bien joué, bien joué. Non, mais... L'action est faite. Ouais. D'accord. Dans ta tête. Attends. Le 3 peut dire j'évite, parce que moi j'ai toujours mon action. Mon 3 n'a rien fait pour l'instant. Il voulait mettre un coup d'épée sur ton 6, mais comme tu lui envoies une flèche en plus dans sa tête, je vais éviter. Donc d'accord. Mon 6, on prend sa valeur, j'ai 4 en tir, j'essaye de faire moins de 4. Je fais 9, je n'évite pas. De là en déduire que tu ne sais pas jouer. Ah oui, oui, forcément. Donc, tu m'as touché la tête. Donc maintenant, l'objectif, c'est de savoir combien de points de dégâts tu me fais. Donc tu jettes. Tu vois, tu as arc dégâts, des dégâts, un des 5 plus 6. Je te laisse jeter. Voilà, donc là, ça fait… Rejette, t'as cassé. T'es sûr? Oui. Donc 5, ça fait 2. 3. C'est 3, on en est au-dessus. Toujours. 3 plus 6, plus 6, 6 9. 9. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ma feuille?
normalement, je ne te la montre pas. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe sur ma feuille? J'enlève la protection, non. Ça fait 8. Ouais. Et donc, je passe à moins 3 à la tête. Moins 3, oui, parce que tu as 5. J'ai 5 moins 8. Moins 8, ça fait moins 3. Moins 3. D'accord. Et donc, à partir de là, on va utiliser les tables du jeu. D'accord. Alors, il n'y a qu'une seule table, en fait, qu'on utilise énormément. On regarde à la tête à moins 3, tête, et on a deux chiffres. 7 et 8. 7 et 8. Je vais donc jeter un dé. Ah, pardon. Si je fais entre 1 et 7, le joueur est toujours sur le terrain. Si tu fais 8, t'es si mort. Si je fais 8, il est blessé grave. Ouais. Si je fais 9 ou 10, il est mort. D'accord. Je jette, 4. Je fais 4, il est toujours sur le terrain. Sauf que je saigne à la tête, je suis à moins 3. La prochaine fois que tu vas me toucher à la tête, j'ai beaucoup de chances de descendre sur la table. D'accord, parce qu'on va faire, si je te mets encore 5 points de dégâts dans ta tête, voilà. Ça sera moins 8. Voilà, on va là, pas repartir à fond. D'accord. D'accord, donc j'imagine petit à petit, on va descendre. J'imagine que cette table, rapidement, on en fait une photocopie qu'on met devant. Oui. Okay. Oui, pas de problème. D'accord, en fait, on utilise énormément cette table des dégâts. Okay. D'accord. Donc là, lui, il t'a tiré dessus, c'était mon 10. Donc maintenant, tu annonces ton plus rapide. Moi, je t'ai annoncé 9. Ouais, c'est à toi. D'accord. Alors moi, mon numéro 2, qui a 9, je ne te dis rien. Hein, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Et je vais activer un pouvoir, mon numéro 2. Je ne te montre rien. Je vais le montrer un petit peu. Si tu crois que ça m'impressionne. Oh non, mais voilà. Je vais l'expliquer après, peut-être s'il marche. Bon. Tu veux l'expliquer pendant que je ferme mes oreilles? Non, on verra. Donc, ça demande un jet de pouvoir pour l'activer. Donc, ça va coûter mon action. J'ai 5 en pouvoir. Je jette. Faut que tu fasses en dessous de 5. Faut que je fasse en dessous de 5. J'ai fait 10, j'ai raté. Fumble. Fumble. Là, normalement, le pouvoir, il t'explose entre les doigts. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le net, j'ai mis une extension avec des fumbles. Ouais. Quand on fait 10, on rejette le dé. Si on fait 10, on fait un critique et il peut se passer plein de choses. On voit bien le rôle. Hein. Oui. Voilà. Donc là, ton mon numéro 2, rien du tout. C'est hop. Mort. Maintenant, j'ai un autre numéro 9. D'accord. C'est mon 7. D'accord. Et donc, je vais refaire un autre pouvoir. C'est un autre pouvoir. Si tu crois que j'ai peur. Celui-là. Voilà. Je n'ai rien dit. Fais-moi rien. Je le fais sur le numéro 1. Toujours avec le même bonhomme. Non, avec un autre bonhomme. Je le fais sur le numéro 1. J'ai 5 en pouvoir. Je jette. Je fais 1. Ça marche. Et là, il marche. Et là, j'ai même pas besoin de te le montrer, je le montre à l'arbitre. Mais là, on va le faire, c'est roulette russe. D'accord. Que se passe-t-il avec roulette russe? Pouf, pouf, les deux joueurs disparaissent et vont jouer à la roulette russe en dehors du terrain. D'accord. Dans une petite salle, un peu plus loin. Sachant que c'est toi qui commences à jeter le dé. D'accord. Si tu fais 9 ou 10, tu t'envoies une balle dans la tête. Et d'accord, le premier qui fait 9 ou 10 est mort en fait. C'est toi qui commences. 9, blanc. Hop, au revoir. Celui-là, il est mort. On n'en parle plus. Merci. Ah ben j'ai... Et alors, si ça n'avait pas fait 9, tu jetais? Alors, si ça n'avait pas fait 9, on attendait le tour suivant. Et je... Ah, tous les tours ont joué. C'est moi qui décidais. Et là, tu reviens sur le terrain alors du coup? Non, je reviens dans ma zone de touche. Voilà. Ah ouais, c'est violent. Et donc, je vais revenir m'en occuper d'un salaud. Autre. D'accord. Donc, joueur suivant, tu m'as indiqué 8. Moi, j'ai 5. Moi, j'ai 5 après. Je t'annonce 1. Donc, voilà. C'est moi avant. Donc, c'est à toi de jouer. Donc, ils sont super lents après les autres, toi. Donc, il me reste le 2, le 3, le 4 ou le 6. C'est dommage que j'aurais bien aimé que tu me tapes d'abord. Bah, laisse-moi te taper. Tu peux très bien dire, je garde mon action. Bah, parce que à quel moment je peux déclarer transporteur et que tout le monde part? Eh bien, tu peux dire, je garde mes actions et j'attends de voir ce que tu fais, toi. Voilà. Moi, j'ai... Quoique lui, le 4, là, le 4, il te taperait bien dessus quand même avant que tu me tapes. Ouais. Parce que vu comment il me regarde, il a plus envie de me taper dessus. Donc, le 4. Le 4, il peut. Je vais te taper sur la... Il a quoi dans sa main? Alors, il a un arc. Il a un arc. C'est trop près aussi. Non, mais tu peux taper avec ton arc. D'accord. Comme avec un bâton. Et les dégâts, c'est un des deux plus ta force. Mais j'ai pas de truc pour jouer comme toi tu as fait là, en fait. Ah non, toi, t'as pas de pouvoir, contrairement à moi. Tu peux bluffer. Hein, mais tu le sais, donc... Bah oui. Alors, je vais mettre une carte. Oui, c'est bien. Bon, c'est raté. Voilà. Donc, l'intérêt de l'arbitre aussi, c'est à ce niveau-là. Tu peux bluffer en montrant à l'arbitre des choses. Ah, mais là, tu connais trop bien le jeu pour que je puisse te bluffer, là. Forcément. Donc, bon, je vais te taper dessus. Tu débutes. Donc, Je te tape dessus, j'ai dit, avec mon joueur numéro 4. Dans ton 4, tape sur mon 2. Il a une force de 4, c'est ça? Alors, d'abord, tu fais un jet sous combat. Combat. Alors, pareil, tu peux dire, je localise la tête, ça sera combat divisé par 2. Non, mais je vais pas faire deux fois le. D'accord, donc tu tapes sur mon 2. Je vais taper. Voilà, tu rates. Je rate. Donc, lui, il joue plus. Mauvais. Ah là. Je vais te laisser faire pour les deux autres. D'accord. Donc mon numéro 1 va faire un pouvoir. Il va essayer d'activer un pouvoir. Alors, je vais le montrer. Ce pouvoir, il s'appelle Killing Death. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
J'ai 5 en pouvoir, je jette, je fais 4, il est activé. D'accord. Voilà, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas ce qu'il fait. Comment tu l'as appelé ? Killing Death. Killing Death. Tu tues la mort. Ouais. Bon, je vais tuer la mort. Voilà. Et puis, mon numéro 3 qui a déjà fait son action. Donc, moi, personnellement, je n'ai plus rien comment à faire. Comment ça se passe si je dis ben, j'attends encore et que toi, tu dis oh, mais moi, j'attends encore, il se passe quoi ? Alors, il y a les obligations d'action. C'est-à-dire, c'est le plus rapide qui devra agir le premier. S'il ne fait rien, il perd son action. Moi, j'attends encore. Mais moi, j'ai fini. Donc, j'ai plus d'action à faire. Donc, tu peux attendre encore, on passe au tour suivant. Non, mais je vais te taper un peu sur ta gueule. D'accord. Donc, je vais taper avec mon 2, là. Non, avec mon 3. Il a une épée magique, dégâts accrus. Voilà, donc il tu fais un G, il est là, ton 3. Il est là, je vais taper sur celui qui est là. Voilà, bah, tu tapes sur le 3. T'as 4 en combat. Donc, il faut que je fasse moins de 4 ou moins de 4. Je fais 5, c'est raté. Tu rates. Hop, lui, c'est fait. C'est lequel que je disais, c'est le 3. Et donc, je vais utiliser donc, le 2, du coup, pour taper dessus, sur lui, là. Donc, le 2, il a un combat de alors, 4. Alors, il tape au point, lui. Hein. Ouais. On est bien d'accord. Donc, tu jettes sous combat. Vas-y. Hop. Tu rates. Non, c'est bien, c'est bien. Et le dernier, c'est le 6, qui est… Alors, petite chose, tu as été très rapide là. Ouais. Sauf que ton 2, il avait le pouvoir transporteur. Il fallait que je l'active maintenant ? Eh ben, le transporteur, ça coûte une action. Donc, c'était soit je donnais un coup de poing, soit j'activais mon… De toute façon, le transporteur, il faut que je sois un peu plus avancé pour l'utiliser. C'est qu'une fois pendant la partie ou… Non, c'est à tous les tours, tu peux tous le faire. Tous les tours, ouais, ah oui, donc je ne le perdais pas en fait en le non, faisant. Non, tu peux l'activer, tu vois, c'est écrit ouais, bon, enclenchement, c'est à volonté. Quoi. Tant pis. Je vais te taper avec mon 6. Alors, le 6, pareil, il met un coup de poing. Il a surpuissance, lui. Voilà, c'est ce qui le protège. Donc, 4. Sur le 1 ou sur le 3 ? Sur celui qui est dans mon dos. Donc, le 3. Ouais. Parce que tu étais tourné comme ça. D'accord, ça marche. Je te laisse taper. 7. Tu rates. Vraiment, hop, c'est fini. Voilà. Tous les joueurs ont fait leurs actions. Ouais. On passe au tour suivant. Bon, en fait, oui, quand on connaît le jeu, ça va super vite. Je prends la main. Moi, j'enlève tout ça. Je coche le tour. Voilà, tu enlèves tout ça. C'est à moi de me déplacer le premier. Vas-y. Voilà. Tout le monde a joué. Ouais. On passe au tour suivant. Ok. Voilà. On a fait un tour complet. Donc, hop, l'arbitre. Là, c'est moi qui ai le coche. Tu as la main. Déplace-toi. Je me déplace. Alors là, j'ai mon pouvoir. Alors. Que je me souviens. Alors. Alors ça se passe comment ? C'est moi qui dis ah, mais moi j'ai mon pouvoir. Non, il est pas actif. Tu l'as raté. Il est pas actif. Tu l'as raté. Je l'ai raté ? Tu l'as raté. Voilà, c'est là où on voit si on a réussi ou oui. pas. Donc il va falloir. J'ai le droit de regarder mes. Oui, bah bien sûr. Tu as ballon empoisonné. Ah oui. Alors je fais quoi avec ça ? Eh ben tu fais rien. Pour l'instant il est empoisonné. Si d'accord. je m'amuse à le prendre, je risque de mourir. Et ça tu le sais pas ? Bah non. D'accord, ça c'est bon ça. Alors donc je me déplace. Il y a des joueurs tordus qui s'amusent à jeter le ballon à l'adversaire. Il y a même des joueurs tordus qui font du bluff et qui envoient le ballon à l'adversaire. Et mais l'adversaire. Ah, il est forcément empoisonné, je le vois. Ouais, c'est un jeu plein de vices quoi. Oui. Hein ? Mais t'as le physique oui, de quelqu'un de vicieux. Merci. Allez, non. À toi de te déplacer. Alors, mon 2 va jouer le ballon tout de suite. Tout à l'heure, j'ai dit phase d'action, phase de déplacement et action de tout le monde. Ouais. On a le droit de jouer le ballon durant la phase de déplacement. D'accord. Mais la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de lancer, de tirer dans le panier. Le tir au panier sera durant la phase d'action. D'accord. D'accord ? Donc là, en fait, tu as le droit d'essayer de me voler le ballon. Là, j'essaye de prendre le ballon. Alors, le 2 a les deux mains de libre, donc je vais faire un jet sous ballon. Il faut avoir les deux mains de libre pour attraper le ballon ? Non, si j'ai une main avec une épée et une main de libre, ça sera ballon divisé par 2. D'accord, ok. Voilà, on divise toujours. Donc, j'ai 4 en ballon avec mon 2. J'essaye de te prendre le ballon. 4 en ballon, ballon, 4 en ballon, c'est ? La valeur balle. La valeur balle, ok. Voilà, j'ai fait 5, j'ai raté. Le 2 a fait son action pour le tour. Alors, normalement, quand on joue à kill, c'est un terrain de basket. Donc, normalement, on met 3 défenseurs, 2 attaquants. D'accord. Pour jouer. Ça, c'est quand on comme s'y connaît sur un terrain de basket. Ouais, ouais. J'y connais rien en basket. Donc, du coup, eh ben, on va mettre des défenseurs. C'est-à-dire que. Jeu sportif, en jeu. Ouais, il ne faut jamais jouer en molle, serré, bien ensemble, parce qu'il y a des pouvoirs de zone, des pouvoirs de ligne, des pouvoirs de. Voilà. Et il faut toujours garder des joueurs en défense. Pourquoi tu as besoin de garder des joueurs en défense ? Parce que ils sont sais... en défense, moi, regarde. Oui, mais quand tu vas avancer, il ne faut pas que tu avances tous tes joueurs. Non, mais ils sont là, regarde. Parce que j'ai le pouvoir entrée libre. À tout moment, si je récupère, je peux atterrir où je veux. Donc, pour toi, ça va te bloquer. Alors que moi, pas du tout. J'ai fini mon déplacement, réorientation. Je peux me réorienter. Ton 5, il n'a rien à faire. Non. Il est là. Donc, voilà. Donc tu n'as plus qu'à tirer au panier. Parce que tu as tout fait, toi. Ben, moi, je n'ai pas grand-chose à faire tout de suite. Ok. Donc, c'est là, chers internautateurs, chers internautatrices, quand tout se joue. Attention, le numéro 6. Donc là, tu es quand même très loin. Mais j'ai confiance. J'ai confiance. Donc, tu es à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cases. 10 cases. Et c'est le 10 cases qui va tenter de mettre le panier. Tu as 5 en ballon. J'ai 5 en ballon. C'est ton numéro 6, il a 5 en ballon. 5 en ballon. Ici, 5 en ballon. On rajoute le malus dû au nombre de cases.
Tu es à 10 cases, ça fait moins 3. Donc je suis 2 en ballon. Tu es à 2 en ballon. Donc il faut que je fasse 1 ou 2. Il faut que tu fasses 1 ou 2. Tu aurais été à 5 cases, ça faisait moins 1. Bah oui, mais bon. Voilà. Et tu aurais été entre 0 et 3 cases, donc, c'est aucun malus. Si je fais 1 ou 2 sur ce dé, tu as marqué, je marque 10 points. Et tu gagnes 10 à 0. Oh. Sauf si j'ai fait un pouvoir. Mais j'y crois pas. Bon, d'accord. Souffle. Ouais. Il faut que je fasse 1 ou 2. Oui, enfin, tu peux toujours y croire. On se retrouve après cette page de pub. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais à qui cet appareil? Oh. Toucher, je peux toucher, je peux. Attends toucher. Une seconde. Oh. On a des iPads. Je dis pas ça pour me la péter. Ça allez, marche. un ou deux. Tu peux pas savoir l'envie que j'ai de faire un ou deux à ce moment précis. Rien pour ça, là. De dire, j'ai battu l'auteur. Oh non, c'est fait. Pas 18 ans de travail pour ça. Vas-y, vas-y, montre-moi. Un ou deux. La foi au dé ou pas. Ouais, la force. Je vais tirer dans cette zone-là. Hein. Tu l'as bien, Nod. Hein. Un ou deux. Regarde, je vais tuer mon petit bonhomme. Allez, un ou deux. 7, c'est raté. Voilà, oh, tu rates. Ah, par contre, la balle tombe. Et voilà. Donc le ballon est parti, donc je l'enlève du personnage. Et en fait, tu devais faire 1 ou 2. Tu rates, en fait, de 7 moins 2, de 5 cases. 5 cases, donc il va atterrir à 5 cases. Ça, c'est bon, et tu vas jeter un dé en fonction de cette table-là, du centre du terrain. On considère que le X, c'est toi. D'accord. Donc vas-y, jette. Dans la direction dans laquelle elle va partir. Voilà, après. 9 ou 10, tu rejettes. 9 ou 10, tu tiens. 7. Donc il part dans cette direction. Donc s'il part dans cette direction, logiquement, il devrait partir par là, par rapport à la case visée. Ouais. Hein, il part par là. Donc en fait, il s'écrase sur le panier. Ah, quand même, il s'écrase sur le panier. Il s'écrase sur la case du panier sans marquer. D'accord. Voilà. Et là, dommage, le ballon est par terre et tu vas aller le ramasser. Voilà, je vais aller le ramasser. Donc, plus d'action pour moi, plus d'action pour toi. Nouveau tour. Ouais. Je coche. J'en ai même oublié un jeu. Non, c'est... J'ai mon 5, est-ce que je peux tirer une flèche ou pas là? Non, bah non, tu me vois pas. Mais je peux tirer une flèche sur cette enflure là. Oui, mais il t'a rien fait depuis le départ. Hein. Mais je m'en fous, je vais lui flinguer d'accord. Sa tête. Il me revient pas, c'est qui? C'est mon 4. C'est mon 4. Voilà. Mon 4, il est en tir, il a 5. Voilà. Je vais viser la tête. Allez. Ça marche. J'ai plus d'action, tu peux y aller. Donc dégâts accrus. Oh, oui. Dans la tête. Voilà. Donc un des 10, un des 5, plus 8. Donc ça fait 1. 9. Enfin ouais. Oui, je fais le total, un des 5 plus 8, ça fait 9. 9 dans ta tête. 9 à la tête de mon 2. Tu m'avais déjà touché à la tête. Oui. Moins 1, ça fait 8. 8. Moins 2, si je passe 6. À moins 6. Et là, t'es mort. Et là, je suis pas au club des moins 7, moi. Hein? Non, mais pas loin. Mais moins 6, 4, 7. Je te le souhaite pas. Hein. Donc moins de 4, sinon il m'arrive un souci. Un souci. Voilà, donc là, je suis réellement mort. Ça, c'est bon, ça. Et donc, mais qu'est-ce qui se passe si tout le monde est mort? Non, il reste alors, un. Non. Alors, on peut gagner la partie soit en marquant le nombre de points. Soit en tuant tout le monde. Soit en massacrant l'équipe adverse. Soit en le faisant abandonner. C'est-à-dire, tu tiens tes joueurs, tu ne veux pas les perdre. Tu dis, bah non, moi, je ne veux pas les perdre, mes joueurs, je décide d'abandonner la partie. Sauf qu'au classement, ça va jouer. Ah, ben, d'accord. Pour les garder, d'accord. Et ben, pour les garder pour le match suivant. Quoi. Si tu as un joueur super important que tu aimes bien, qui a beaucoup évolué, okay, tu oui, dis, ah, pas non, envie, moi, ouais, je vais faire mon match. Et puis voilà, quoi. Est-ce que tu vas abandonner? Pas du tout. D'accord. Bon, ça marche. Attends, t'es dominé, là. Je suis dominé de rien t'es du tout. T'es dominé, ouais. Il te reste 3 joueurs. Et j'en ai 3, j'ai un plus ma roulette russe. Tout va bien et le ballon est par terre. Okay. On passe aux actions? Bah oui. Bah ça va aller très vite. Hein. Bon, ben alors, en 10. Tu commences par la roulette russe? Ouais. 9 ou 10 et hop! Clic oh, ball. Oh, le carnage! Oh, le carnage! Hop, au revoir! Bien! Monsieur Fall, superbe. Ouais. Superbe. Je te dis, les sports d'équipe et moi. Ah ouais, je vois ça. Bien. Ensuite, rapidité. Bah oui, moi j'ai. Bah mon plus rapide vient de mourir. Donc j'ai 8. T'as 8 ? Eh bien. Je vais te tirer sur le porteur du ballon. Allez. Donc t'as 5 en tir. Et je vais te tirer dans ta tête. Allez, dans la tête. 3. 5. Tu rates, c'est fini. J'aurais pas dû tirer dans la tête. Moi je fais une action hors terrain. Bon, donc je vais même pas faire d'action hors terrain. Vu que si je vais faire une action hors terrain, je vais ranger mon épée.
Pourquoi je vais ranger mon épée pour pouvoir jouer le ballon? Je sais pas, moi je vais m'ouvrir des des nounours en gélatine parce que est-ce que t'en veux un? Non merci, ça va là tout de suite. Bon, me déconcentre pas. Mon goût. Ça va aller. Mon goût. Voilà, on est bon là. Donc plus d'action à faire. Nouveau tour. Hop, allez à toi. Chef, ici le numéro 6, je suis collé. Encore? Encore? Je sais pas. Comment? T'es collé. Ouais. Allez, déplace-toi. Alors tu sais, je me déplace après toi, donc là je pense que je vais venir te taper. Je dis ça comme ça. Hein. Voilà, bien. Donc. Mais, je suis une gomme quand même pendant combien d'années? Je sais pas. C'est écrit dans le pouvoir, mais je ne vais pas te le dire tout de suite, hein. On est bien d'accord. Donc, moi, va venir te tenir compagnie, là. Il attend que tu sortes, des fois que ça te prenne une envie d'aller faire un petit tour. Et là, je vais faire une chose toute simple. Mon 6 va lancer le ballon sur ici, sur cette case. Ah, alors, tu peux désigner une case? Oui. Alors, on va dire, tiens, je vais prendre un petit hop, je vais prendre un petit. Je vais prendre le ballon, un ballon en carton. Je vais dire que je tire sur cette case, d'accord? Donc, je suis à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 cases, d'accord? Ouais. Alors, pour tirer sur une case, c'est valeur en ballon plus 5, forcément. Donc, mon 6, il a 5 en ballon, plus 5, ça fait 10. D'accord. Moins le malus, je suis à 18 cases, ça fait moins 5. Moins 5. Donc, 5. En fait, je ça 5 fait 5. Et... Si je fais 5, le ballon atterrit là. Le ballon, il est particulier, il n'est pas du tout comme un ballon de basket, c'est un ballon en pâte à modeler. Donc quand il s'écrase, il splotche, il fait une crêpe et après il se reforme, d'accord, Donc je fais 8, je rate 2-3. Donc il va arriver 3-4. Donc pour savoir où j'atterris, voilà. Hein. Donc je fais 5, il atterrit par là, 1, 2, 3, il atterrit ici. D'accord. Tout parfait, moi, on va pouvoir le ramasser. Ben, mon 4 va pouvoir le péter sa tête. Non, attends, parce que là c'était durant mon déplacement. D'accord. Donc mon 7, il vient ici. Il ramasse directement le ballon. Ah oui, avec son pouvoir avec débile, le pouvoir de j'apparais où je veux. Voilà. D'accord. D'où l'intérêt de jeter le ballon sur une case pour pouvoir aller le chercher après si je ratais mon jet. Ça aurait été bête de mettre mon joueur là et puis après. Donc voilà. Donc on en était à ton numéro 4 vient de se faire expulser. Je jette un des 10. C'est le temps d'expulsion de ton numéro 4. Donc je jette. Il sera expulsé durant 7 tours. Donc on va le mettre ici et il reviendra au bout de 7 tours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Là, le 4. Mais à mon avis, tu auras marqué entre temps. Monsieur Fall. Donc il me reste un joueur sur le terrain qui est scotché. Qui est collé. Okay. Alors je pourrais dire, je me concentre. Ça m'augmenterait ma valeur en ballon pour marquer. Attends, mais là, je ne vais même pas me concentrer, je vais tirer. Ah, t'es sûr de toi? Ouais, je suis sûr de moi. C'est mon numéro 7, il a 4 en ballon. Je suis à 5 cases. J'enlève 1, ça fait 3. Je tire. Et là, il faut que tu fasses combien? 1, 2, 3, et j'ai marqué. D'accord. Je 4. Fais 4. T'as je rate de 1. Donc, t'aurais dû te concentrer? Hop, non. Je fais 6, le ballon tombe. Si on regarde bien, par rapport à cette table, ouais, le ballon tombe juste là, sur le côté. D'accord. Voilà. D'accord. Nouveau tour. Ton 6 est toujours collé. Je pense que je vais te donner un point. non, tu peux pas me donner un point. Pourquoi? Comme ça. Pour me donner un point, il faudrait pas qu'il soit là. Il faudrait qu'il soit où? Il faudrait qu'il soit blessé grave. Mais pourquoi? Ah, je peux pas. Comment je peux récupérer ces deux crétins là? Eh ben, quand j'aurai mis un panier. D'accord. Mais pas un panier à 5 points, sinon j'ai gagné. D'accord. Bon, je te le sais faire. Donc, moi, ramasse le ballon. 2, 3, 4. Il rend le ballon au 7. Qui prend son action. Écoute, moi, je vais prendre mon voilà, paquet de. Mange tranquillement. Mange tranquillement. Tout va bien se passer pour toi. Regarde, les spectateurs. Hé, hey, regarde comment il joue avec le ballon. Prends le temps. Tu vois, voilà. Et mon 3, bah, il va venir 1, 2, 3, 4. Voilà, on va s'installer autour du terrain. Il n'a pas le droit, ça. Je vais finir. 1, 2. Pourquoi je n'aurais pas le droit? Mais tu m'as dit qu'on est expulsé quand on est. Ah, dans son propre terrain. Voilà. Moi, je n'ai pas le droit de venir dans ma zone, mais dans la tienne. Tout va bien. Et en plus, il n'y a plus personne. Tout se passe bien. Hein, monsieur Fall, tout va bien. Cette vidéo ne sera jamais montée. Bon, plus d'action. J'ai ramassé le ballon. Ouais. Hop, on passe au tour suivant. Et là, chef, chewing-gum est fini. Ça marchait 5 tours. Putain, c'est fini. Et une fois par match. Mais là, je suis un peu loin. Là. Allez, j'ai la main, vas-y, je me déplace. J'ai fini de me déplacer, déplace-toi. Ok. Il court, le furet du poids joli. 1, 2, 3, 4. Non, t'as 5. C'est 5, lui? Oui. Ah oui, c'est 5. 5. Je me concentre. Vas-y. Donc, ça fait plus 100 en ballon. Nouveau tour. Déplace-toi. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais venir te rentrer dedans un coup de boule. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas me piquer le ballon. Donc là, je tire au panier. De 1 à 4, je marque et c'est fini.
3. Ça flanche. Je tire. Blanc. 5 points. Fin du match. 5-0. 5-0, quasiment 5 morts. Non. Enfin, 3 morts, 2 blessés graves et un scotché pour tout le monde. Un blessé grave. Moi, 2 morts. Oh, tout va bien. Ok. Et là, je remporte. Donc, je remplis ma feuille. Je gagne 5. Alors, 1 panier, 0 panier. 5 points, 0 à ton score. Voilà. Et puis, on donne les points du classement général. Alors là, je vais rapporter 3 points de classement général, vu que j'ai gagné mon match. Ouais. Toi, tu perds rien, t'as rien. D'accord. Et on fait plus ou moins la différence de division. Alors, tu aurais gagné, comme tu as une division de 0. Ouais. Je rappelle que la division, c'est la puissance divisée par 10. Ouais, c'est ça. Toi, tu as 0, moi, j'ai une puissance de 1, une division de 1. Tu aurais gagné 4 points si tu avais gagné. D'accord. Moi, comme je gagne, j'en gagne que 3 parce que j'étais supérieur à toi. D'accord. Ok. Voilà. Match terminé. On récupère, on efface tous nos joueurs morts. On donne les points d'expérience aux joueurs survivants et on retire des personnages. Alors, en mode championnat, on retire des personnages. En mode tournoi, on récupère ses joueurs et on continue sa partie. D'accord. Voilà à peu près un match. Écoute, Sylvain, merci pour cette démonstration, ma foi très humiliante pour ma part. Mais j'avais prévenu que les sports d'équipe, c'était pas très mon truc. Un petit nounours ? Oh, après. Après, d'accord. Parce que si je finis la présentation avec du nounours dans la bouche, on va dire « Ah, mais il est mal poli, tout ça, tout ça. » D'accord. Donc, je remonte la boîte. Donc, c'est Kill Power Ball. Qu'on va trouver chez GD Jeux. Partout, dans toutes les boutiques. Dans toutes les boutiques. On a fait une partie de débutant, j'y connaissais rien. En plus, c'est pas du tout mon type de jeu. Mon cerveau n'est pas fait pour ça, tout à fait. Ce qui t'a dû te faciliter la tâche. Ce qui m'a bien aidé. Mais ce que je vois tout de suite, c'est que, comme tu me l'as expliqué aussi, il y a tout un tas de règles. Et les modes tournoi compétition font qu'on maîtrise plus le hasard, il y a moins de jet de dés, tout ça. Oui. Les amateurs auront vite compris le potentiel que peut avoir le jeu. Oui. Les autres, les allergiques à la stratégie de déplacement, de positionnement et aux cartes pouvoir, ils peuvent passer leur chemin. Tout à fait. Là, on a fait le tour. Oui. On te remercie, Sylvain, d'être venu. Merci bien. Et puis… Parfait. À une prochaine revanche. Une prochaine… Ouais. Quand tu auras potassé un peu. Quand j'aurai potassé un peu, ouais. Hein? Au voilà. Bout de 20-50 matchs, ça ira mieux. Tu crois que je serai mieux? Ouais, là, ça sera parfait. Il y a un site internet, non, avec une communauté? Il y a un site internet, il y a une communauté, oui, c'est www.killpowerball.com. C'est tout ça. Il y a un forum, il y a une extension qui est sortie, il y a plein de choses qui se font autour du jeu. Ouais, c'est le type de jeu, quand on aime, on est à fond dedans, Oui, on monte des ligues, des championnats, et voilà, tout comme ça. Voilà, c'est pas un jeu apéritif, et puis c'est un jeu qui est très, qui est prenant, qui demande pas mal de matchs. J'ai des joueurs avec moi depuis… qui ont plus de 15 ans de jeu, qui ont plus de 500 matchs. Enfin, ah ouais, c'est quand même. Ouais. Des, voilà, quoi. Ok, ben merci. Merci bien à vous. À bientôt alors. Céphale, et à bientôt. Et voilà.